Bienvenue sur Cornet.tv pour cette troisième partie du résumé de la saison 2024 du championnat de Formule 1. Après 12 courses et la moitié de la saison derrière nous, eh bien il est évident que tous les partisans de Formule 1 se questionnent à savoir qui remportera le titre de champion du monde cette année. Alors que Jean Lemar, Max Verstappen et Charles Leclerc sont les trois favoris pour l'emporter. Il est aussi question du classement constructeur qui peut encore énormément changer en raison des nombreux progrès des différentes écuries. N'en demeure que les médias ne manquent pas de nouvelles à couvrir au niveau de la course automobile cette année. Revoyons donc les statistiques de cette mi-saison. Le leader au classement piloté, le jeune pilote de 24 ans, Jean Lemar, la recrue prodige de chez Haas, qui devance par seulement un maigre point Max Verstappen. Quant au constructeur, McLaren a pris les devants en Grande-Bretagne en devançant par 4 points Red Bull suite à une victoire de Scott Piastri et une deuxième place de Lando Norris. Une lutte à 3 et, en ajoutant Ferrari, semble être à prévoir alors que Haas, Mercedes et Aston Martin devraient lutter pour la quatrième place. En date d'aujourd'hui, seuls Guan Yu Zhou et Logan Sargeant n'ont toujours pas marqué de points, alors que Racing Bull croule au fond du classement avec seulement 5 petits points. D'ailleurs, Jean Lemar a remporté sa rivalité avec Logan Sargeant et est en train de mener celle avec Kevin Magnussen et Max Verstappen. Celle avec le Danois, son coéquipier, semble déjà remportée, mais celle contre son rival le Néerlandais est loin d'être acquise. Sur une autre note, le Québécois de 24 ans se rapproche grandement de ses objectifs personnel, au grand bonheur de son agente Elena. Si la tendance se maintient, ils seront complétés avec succès. Quant à Haas, l'écurie a développé plusieurs nouvelles pièces, donnant un gros boost à leur monoplace. Même si McLaren domine en termes de performance, l'évolution de l'écurie américaine ne peut être mise de côté, elle qui se rapproche d'Aston Martin. Pour la 13e manche du championnat, eh bien, nous sommes en Hongrie pour y vivre la deuxième moitié de la saison 2024. Lors des qualifications, les développements de chez Haas permettent à Magnussen de passer la Q1, mais ce sera le mieux qu'il peut faire terminant 15e en Q2 et exclu de la Q3, tout comme Lance Stroll. Quant à MR, domination totale du Québécois qui devance Verstappen par 7 dixièmes pour la pole position. Waouh, la fusée chez Haas, des progrès qui pourront être majeurs pour la suite du championnat. Lui qui a aussi une nouvelle boîte de vitesse et qui a changé son turbocompresseur et son MGUH sans être pénalisé, contrairement à Carlos qui écope de 5 places de pénalité sur la grille de départ. Toutefois, la victoire ne sera pas sienne alors que Lando Norris, le Britannique, va profiter d'une course sans faille pour sortir avec le trophée et le titre de pilote du jour, une seconde victoire consécutive pour McLaren. Revoyons justement les meilleurs moments de cette 13e course de la saison. Tout d'abord, le départ fut marqué par un mauvais début de course de Verstappen qui passe de la 2e à la 5e place et quelques batailles au premier virage. Emar était en première place, mais pas nécessairement pour longtemps, lui qui va avoir des difficultés lors des secteurs 2 et 3. Une perte de contrôle qui peut lui coûter cher s'il ne peut maintenir un bon rythme comme ce fut le cas lors des qualifications. Il va terminer le tour à la 4e position avec George Russell comme nouveau leader sur le circuit du Hungaroring. Mais ce ne sera que de courte durée, profitant de l'aspiration d'Alonso pour reprendre la 3e place dès le fameux premier virage du 2e tour. Lors du 3e tour, bien, nous avons eu droit à tout un spectacle de George Russell qui va défendre cœur et âme sa première position face à Lando Norris. Un duel titanesque entre deux jeunes pilotes, coude à coude, épaule à épaule, sans contact, une belle bataille propre entre les deux rivaux de chez McLaren et Mercedes. Le seul qui bénéficiera de ce duel sera Jean Lemar. Même s'il prend large un des virages, il réussit à dépasser le numéro 4 et prendre la 2e place de ce Grand Prix d'Hongrie. Déjà une course spectaculaire pour entamer la 2e moitié de la saison. Au 5e tour, eh bien George Russell ne peut plus défendre face au DRS et Emar reprend la tête de la course avec aise. Puis, avec une bonne gestion de DRS, une bonne position défensive et surtout une bonne gestion des gommes, le Québécois numéro 91 réussit à demeurer devant George Russell qui attend une opportunité à saisir pour dépasser le leader au classement pilote. Au 14e tour, eh bien Fernando Alonso va commettre une rare erreur et va ouvrir la porte à Max Verstappen avec un blocage de roue. L'Espagnol doit être extrêmement déçu suite à cette séquence. Fin du 15e tour, eh bien Emar étant le leader montre la voie vers les stands pour les fameuses gommes dures. Toutefois, un problème survient avec son pneu avant gauche et il perd énormément de temps. Il va perdre 4 positions dans les puits et c'est Lando Norris qui sera virtuellement le leader de la course devant Max Verstappen et Charles Leclerc. 5,1 secondes est beaucoup trop long pour un arrêt, mais Emar a su rester au moins devant Hamilton qui lui a fait un arrêt d'environ 4,8 secondes. Fin du 16e tour, la deuxième vague d'arrêt au puits se fait voir avec George Russell comme leader. Toutefois, le pilote britannique sera bloqué et ne pourra rejoindre la piste avant Oscar Piastri qui profite de ce trafic pour lui soutirer une position. Quant à Lando Norris et Max Verstappen, les deux arrivent à pleine vitesse et vont lutter pour la tête de la course au virage numéro 1. Beau duel en vue entre les deux pilotes. Quant à Emar, lui, il devance Sergio Perez de justesse, mais le pire est fait et de nombreuses places sont perdues. Norris réussit à demeurer devant Verstappen alors que Emar est dorénavant 7e. On parle ici de 6 positions de perdu en raison d'un mauvais arrêt au puits. Déception chez l'écurie Haas.
Au 18e tour maintenant, Charles Leclerc et Fernando Alonso luttent pour la troisième position. Ceci est particulièrement incroyable, mais est complètement ridicule, sachant que ça va les exclure du DRS de Max Verstappen et que le pilote en troisième place, bien, il sera la cible du DRS au tour suivant. Charles Leclerc ne parvient pas à défendre face à Alonso et perd sa position. Mais pour combien de temps? À partir du 18e tour, eh bien, la remontada de Jean Lemar est commencée. Il y va d'une bombe à l'intérieur du virage numéro 1 sur George Russell pour prendre la 6e place. Puis il va refaire la même chose au tour suivant pour la 5e position sur Oscar Piastri et sa McLaren. La AS91 a du rythme et de l'audace. Une bataille avec Charles Leclerc débute de la même façon et encore une fois, le pilote de 24 ans de l'écurie AS démontre son talent et réussit la manœuvre sur le monégasque. Spectaculaire remontée entamée alors que Max Verstappen est à plus de 3 secondes d'avance de la 3e position, soit en sécurité du DRS de ses adversaires et prêt pour attaquer Lando Norris éventuellement. Pour revenir à Charles Leclerc, bien le malheur s'acharne sur lui alors qu'il bloque les roues et perd deux positions à la fin du 21e tour. Aymar, lui, ne perd pas de temps et attaque Fernando Alonso pour la 3e place en espérant avoir le rythme pour rejoindre Lando Norris et Max Verstappen. C'est au 23e tour que Max Verstappen va finalement compléter le dépassement sur Lando Norris avec 3,5 secondes d'avance sur Aymar. Mais bon, le jeu du DRS est présent. Et puis le pire se produit pour l'Espagnol d'Aston Martin. Oui, le moteur sauté, il crée du trafic derrière lui avec sa grosse fumée. Triste fin pour le vétéran et ex-double champion du monde qui espérait marquer de gros points aujourd'hui. Par la suite, avec aucune voiture devant lui, bien la recrue de chez Haas met le pied au plancher et tente de rattraper du mieux qu'il peut les voitures de tête. Piastri en 4e position ne sera jamais près de lui après avoir perdu le DRS. Tour après tour, profitant aussi des duels entre Verstappen et Norris, le Québécois revient petit à petit et c'est finalement au 34e tour qu'il tente une offensive sur le Néerlandais et son rival au championnat pilote. Belle manœuvre pour réaliser le dépassement et ainsi prendre la 2e position avec un tour et demi à faire derrière la de Norris. Toutefois, en ayant poussé sa voiture et ses gommes au maximum, eh bien, il ne parviendra pas à rattraper le Britannique et Aymar monte sur la 2e marche du podium devant Max Verstappen. Demeure une belle prestation de la part du pilote de chez Haas qui réalise aussi le tour le plus rapide derrière la victoire de Lando Norris. C'est donc 19 points de récolté par le jeune pilote québécois alors que McLaren réalise une P1 et une P4. Oui, de gros points pour McLaren qui démontre de belles choses depuis plusieurs courses. Une belle progression pour l'écurie orangée. Sainz, parti 15e, a terminé 9e et Stroll marquera le dernier point accessible de ce Grand Prix d'Hongrie. Aymar est dorénavant à 5 points d'avance sur Max Verstappen et Charles Leclerc a plus d'une victoire en 3e position avec 26 points de retard. Lando Norris et Oscar Piastri, 4e et 5e respectivement, remontent dangereusement au classement pilote alors que McLaren est en tête du classement constructeur par 20 points. Haas demeure 4e par 16 points sur Mercedes, mais rien n'est encore joué pour la première et la 4e place chez les écuries. Tout un Grand Prix d'Hongrie qui a été façonné par les arrêts au puits et demeure que la Haas numéro 91 a été la meilleure voiture sur la piste. Aymar est d'ailleurs donné à 73 points et réalise un exploit en ayant compté 10 courses dans le top 10 depuis le début de sa jeune carrière. Sans surprise, lui et Magnussen sont nés à nez en termes de renommée, mais tout indique que Aymar est là pour gagner le titre et non simplement une seule rivalité. Pour la 14e manche du championnat, nous sommes en Belgique sur le fameux circuit de Spa-Francorchamps. Tout d'abord, Cornet.tv a appris que Aston Martin a voulu discuter avec Jean Lemar pour la saison prochaine, peut-être car Fernando Alonso en serait à ses derniers tours. Le Québécois affirme avoir refusé toute discussion avec cette autre écurie. Lors des qualifications de ce Grand Prix de Belgique, Magnussen manque la Q2 par seulement 37 millièmes de seconde, alors que Lemar va perdre le contrôle de sa monoplace en Q2 et va devoir abandonner en 15e position. Aucune masque est espérée par Haas de voir Lemar et Magnussen en fond de grille. Max Verstappen, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lando Norris et George Russell forment le top 5, alors que surprise, Albon est en 10e position avec sa Williams. Malgré une position aussi loin sur la grille, et bien c'est avec audace, agressivité et une bonne stratégie que les Québécois Jean Lemar remportent le Grand Prix de Belgique. Dès l'extinction des feux, dès le départ, eh bien, nous avons eu droit à un spectacle phénoménal du numéro 91. Malgré des conditions très difficiles, oui, la forte pluie et une piste très humide auraient pu empêcher des offensives de se produire, mais cela n'a aucunement effrayé Jean Lemar qui a attaqué dès le premier virage. Tout à fait splendide comme réaction de la part du jeune pilote recrue de 24 ans qui place sa Haas dans le top 10 dès les premiers instants. Charles Leclerc a d'ailleurs pris la tête du Grand Prix dès les premiers instants également de la course, puis après de belles batailles au radillon rouge, Lemar profite d'une vitesse de pointe puissante pour attaquer après le Kemmel Trait. Toute une attaque au premier virage des combes pour prendre la 3e position avant la fin de ce premier tour. George Russell aura été aux premières loges pour voir cette action du pilote québécois qui, malgré 12 dépassements, se retrouve à plus d'une seconde des deux voitures de tête.
Nous sommes maintenant au quatrième tour et malgré l'absence du DRS, Hamilton rattrape Verstappen et tente une offensive sur le Néerlandais. La Haas semble avoir plus de grip et le Québécois devance la Red Bull après les virages des combes. Au sixième tour, Charles Leclerc est la nouvelle victime de Hamilton qui profite de l'aspiration pour attaquer par l'extérieur. Tout un dépassement de la part du Québécois. Ce tour est tout autant important alors que Carlos Sainz bloque les roues et se retrouve dans le bac à sable. Ses chances de points viennent de s'effondrer avec cette erreur de pilotage alors qu'il passe bien près d'abîmer la voiture de Pierre Gasly lors de son retour en piste. Oui, l'Espagnol et le Français évitent le pire malgré un léger contact et le pilote Ferrari se retrouve 12e suite à cette séquence peu glorieuse de sa part. Albon va également vivre un dur moment alors que sa voiture Williams lui dit qu'il ne peut plus continuer aujourd'hui. C'est un abandon pour le Thaïlandais. Au tour suivant, Lando Norris rejoint le trio de tête et devance Alonso par 2 secondes. Max Verstappen et Charles Leclerc vont lutter pour la deuxième place et c'est le Néerlandais qui sortira gagnant lors des derniers virages de ce 7e tour. Fin du 11e tour, Fernando Alonso et Lewis Hamilton sont les premiers à s'arrêter pour tenter un undercut sur les voitures de tête. Des nouvelles gommes wet sont choisies, ce qui démontre une drôle de stratégie de la part de Mercedes et d'Aston Martin. D'autres pilotes s'arrêteront au tour suivant, mais est-ce vraiment un avantage de changer wet pour autre wet? 12e tour, le Finlandais Valtteri Bottas décide d'aller jouer dans le carré de sable. Il venait à peine de changer ses gommes qui ne devaient pas être encore à température. Triste séquence pour le pilote de Kicksover. On avance au 17e tour alors que Jean Neymar est confortablement en première position. Charles Leclerc voit sa monoplace carrément le lâcher. Le Monégasque perd un potentiel podium et en plus, Carlos Sainz aurait des ennuis avec sa monoplace numéro 55. Un week-end à oublier pour la Scuderia Ferrari. Fin du 19e tour, la piste est de moins en moins humide et Verstappen et Norris s'arrêtent pour des gommes intermédiaires. Malgré un arrêt de puits raté pour Red Bull, le Néerlandais demeure quand même devant le pilote britannique. Quant à Hamilton, on pousse les wet au maximum et potentiellement jusqu'à la fin avec seulement 3 tours à compléter en Belgique. Au 20e tour, Pierre Gasly qui était 10e avec une bonne avance sur la 11e position perd le contrôle de sa monoplace et se retrouve dans le gazon. C'est triste, mais ce sera tout à l'avantage de son coéquipier Esteban Ocon qui va prendre le dernier point disponible de la course. Le Français retrouvera donc la piste en 15e position. À la fin du tour, Oscar Piastri s'arrête pour des intermédiaires, mais est-ce toute une erreur de la part de McLaren? Cela profite cependant à George Russell qui prend la 2e position et à Fernando Alonso en 3e place, lui qui a réussi son undercut sur Verstappen et Lando Norris. Au 22e et dernier tour de ce Grand Prix de Belgique, et bien Fernando Alonso va tenter un dépassement sur George Russell alors que Max Verstappen prend l'extérieur. Toute une séquence d'action de Formule 1 qui sera l'avantage de l'Espagnol sur le Britannique. Waouh! Tout simplement incroyable pour le pilote d'Aston Martin. Demeure que la vedette aujourd'hui est nul autre que le Québécois Jean Neymar, qui aura d'un bout à l'autre été avec un seul trait de pneu et qui remporte le Grand Prix de Belgique par une grande avance. Finalement, Verstappen aura profité d'une dernière offensive pour voler le podium à George Russell, mais bon. Grande victoire pour le Québécois Hamilton et brillante stratégie de l'Espagnol Alonso pour la 2e place de cette 14e manche de la saison 2024. Certes, Haas peut célébrer aujourd'hui en Belgique avec 25 gros points de marqués par leur pilote prodige. C'est Sergio Pérez en 6e place qui aura inscrit le tour le plus rapide pour Red Bull, alors que Carlos Sainz réussit à décocher le dernier point pour Ferrari sur Ocon lors du dernier tour. Ce résultat donne donc une avance de 15 points à Hamilton au classement pilote sur Max Verstappen et Charles Leclerc qui recule dorénavant à 51 points suite à son abandon. McLaren demeure premier au constructeur par 10 points sur Red Bull et Haas en 4e place devance Mercedes par 23 points. N'en demeure que les performances de Hamilton et les améliorations sur la monoplace Haas font toute la différence. La saison est encore longue et tout peut se produire pour les pilotes comme Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri, Fernando Alonso qui peuvent réaliser en fait de belles performances. D'un autre côté, Jean Hamilton progresse encore à titre de pilote de Formule 1 recrue et prend définitivement une avance en termes de renommée versus le Danois Kevin Magnussen. Pour la 15e manche du championnat, nous sommes aux Pays-Bas, là où la foule sera derrière Max Verstappen et la Red Bull numéro 1. Mais avant de se diriger vers les faits saillants de cette course, Cornet.tv a entendu des rumeurs qu'il y aurait des changements de réglementation pour la saison 2025. Cela pourrait avoir de grosses incidences sur les actions des écuries avant la fin de la saison. De plus, Haas a réalisé 5 avancées, autant en aérodynamisme que le châssis et la fiabilité de la voiture. De gros avantages en vue de la prochaine course. Lors des quelques questions, eh bien un incident va marquer la Q3. Oui, Jean Neymar va réaliser un spin et Carlos Sainz va entrer en collision et va voir sa voiture être détruite. Il ne peut réaliser aucun chrono. Le Québécois reçoit donc une pénalité de 5 positions de grille. Mais malgré tout, Jean va y aller d'une deuxième tentative et va décrocher la pole position qu'il devra malheureusement concéder à Max Verstappen suite à sa pénalité écopée précédemment. Sans surprise, eh bien, la foule ne peut qu'être heureuse pour leur pilote favori.
Toutefois, ce ne sera ni Emar, ni Verstappen, mais bien Oscar Piastri qui va l'emporter suite à une course complètement folle. Commençons d'ailleurs par parler du fameux départ qui a été raté par Verstappen, mais ce dernier a quand même pu demeurer en tête de la course, alors que Kevin Magnussen lui passe de la 19e à la 15e position. Quant à Jean Emar, il réussit à gagner une seule place, étant bloqué par le duel entre Leclerc et Verstappen. Par chance au moins, il n'y a aucun incident lors des premiers virages. Lors du deuxième tour, Lewis Hamilton ne réussit pas à défendre face à l'agressivité de l'attaque de Emar. Le Québécois est donc sur le podium, mais le DRS va être un enjeu. Pour Guan Yu Zhou, eh bien, c'est la déception totale. Son moteur lui dit que sa journée de travail est terminée. Au troisième tour, alors que Verstappen s'envole, eh bien, Charles Leclerc est sans défense et Emar prend la deuxième position. Toutefois, le Néerlandais est hors de la seconde nécessaire au DRS, ce qui fait en sorte que Emar ne bénéficiera pas de cet avantage. Il faudra attendre le 7e tour pour voir le Québécois rattraper Verstappen. Et avec le DRS, Jean Emar va prendre la tête du Grand Prix des Pays-Bas. Belle manœuvre pour réaliser le dépassement alors que Leclerc perd du terrain et que Oscar Piastri, avec le DRS, va réussir le dépassement sur Lewis Hamilton. Tout un début de tour pour les partisans de Formule 1. Après avoir su défendre par le biais de l'ERS, eh bien Jean Emar réalise probablement l'une des plus belles manœuvres défensives de la saison. Au 10e tour, il y va d'un acte courageux pour demeurer devant son rival au classement pilote. Même les partisans de Verstappen ne pouvaient que saluer l'audace du jeune pilote québécois. Néanmoins, cette lutte incessante ne sera pas toujours aussi propre. Dès le tour suivant, un léger contact suffit pour contrer le pilote néerlandais qui ne parvient pas à prendre la tête de la course. Charles Leclerc est d'ailleurs très près, mais l'espace manque pour réaliser une attaque. La suite du tour est un présage de cette deuxième partie de saison entre trois rivaux qui vont lutter pour le titre de champion du monde. Pour le moment, le Québécois tient bon malgré sa frustration et Haas peut être fier de la défense de son pilote recru. Fin du 16e tour, c'est le début des arrêts au puits. Max Verstappen, malgré du trafic dans les puits, va réussir à dépasser Emar, dont l'arrêt de 4,6 secondes ne sera pas du tout apprécié. Ce sera encore pire pour Charles Leclerc avec 5,8 secondes, pardonnez-moi, versus Lando Norris et McLaren qui retrouvera la piste rapidement. D'ailleurs, Hamilton et Alonso qui s'est arrêté à la fin du 15e tour, undercut Charles Leclerc. Encore une belle stratégie de la part d'Aston Martin. Verstappen est donc virtuellement en première position, mais tout dépend si l'overcut de la deuxième vague d'arrêt au puits peut fonctionner. Au début du 18e tour, Emar tente un dépassement sur Verstappen avec le DRS, mais il prend trop large lors du premier virage. N'en demeure que les deux monoplaces passent Oscar Piastri qui revient sur la piste tout juste devant Lewis Hamilton. C'était très proche. Pendant ce temps, George Russell est en tête en gomme médium, lui qui ne s'est toujours pas arrêté. Il est virtuellement en 7e position. Au 20e tour, la tension entre Verstappen et Emar est à son maximum. Un duel pour la première place très intense qui va se terminer avec un contact. Emar a presque perdu le contrôle de sa monoplace et suite au contact va empêcher Verstappen de rejoindre la piste. Le Néerlandais est dans le bac à sable et ne peut revenir de façon sécuritaire sur la piste, sur le circuit de Zandvoort. Catastrophe pour la Red Bull après ce duel avec son rival au classement pilote. Mais qui est fautif? Qui a trop osé? Ce qui est certain, c'est que Jean Emar est dorénavant en première position et que Max Verstappen est hors des points devant son public favori. Les reprises démontrent également que Emar a littéralement bloqué la trajectoire de Verstappen. Pourtant, la FIA ne sévit pas, mentionnant que c'était un incident de course. Bref, ce soi-disant incident offre la chance à Oscar Piastri d'être en deuxième position et d'avoir le DRS sur Emar. Il tente une attaque rapidement au 21e tour, mais en vain pour l'Australien. Un des pilotes que l'on parle peu sur Connect.tv est nul autre que Kevin Magnussen. Ce dernier profite du DRS pour prendre la 11e position sur Lance Stroll. Déjà 8 places de gagner depuis le début du Grand Prix des Pays-Bas. Sur une autre note, Fernando Alonso a des ennuis avec sa monoplace et il ne peut rivaliser avec la Scuderia Ferrari de Charles Leclerc. Il perd donc la 4e position, mais le plus spectaculaire survient au 31e tour. Une lutte pour la 9e place entre Carlos Sainz et Alexander Albon. La Williams tente de défendre face au DRS de la Ferrari et il n'y en aura pas de facile. Kevin Magnussen est tout près derrière pour saisir une opportunité et Sainz commet la faute attendue. Il bloque les roues et offre une position gratuite au Danois de chez Haas. Magnussen est dans les points avec 6 tours à compléter sur le circuit de Zandvoort. Tour 33, Logan Sargeant abandonne suite à un bris moteur. Triste fin pour l'Américain de chez Williams, dont la monoplace fait tout un spectacle de boucan. À la fin du 34e tour, le drame se produit pour Jean Emar qui monte sur les vibreurs et frappe le mur. Son aileron avant est endommagé et il perd la tête de la course au profit de la McLaren d'Oscar Piastri. Ses chances de remporter de la course viennent de drastiquement chuter, alors que l'Australien peut prendre ses distances. Finalement,
Le Québécois a retenu bon pendant qu'Oscar Piastri franchit la ligne d'arrivée avec le drapeau d'amis agité et aucune fumée orangée. Jean Neymar termine deuxième avec le tour le plus rapide et Charles Leclerc troisième. Magnussen est nommé pilote du jour passant de la 19e à la 9e position. Ce fut définitivement un week-end rempli d'action et tout à l'avantage de Neymar qui voit Verstappen ne marquer aucun point lors de cette course devant ses propres partisans. Au bout du compte, célébration chez McLaren avec Oscar Piastri en première place et Lando Norris en cinquième place. 35 points pour l'écurie, alors que Red Bull ne marque que 6 points grâce à la 7e place de Sergio Perez. Albon termine 10e pour obtenir le dernier point pour Williams et Emma prend définitivement une belle avance au classement pilote. 34 points le séparent maintenant de Max Verstappen. Au constructeur, McLaren devance Red Bull par 30 points, alors que Haas continue de profiter des gros points de Emma pour devancer Mercedes. Ce qui est sûr, c'est que l'incident Verstappen-Emma a marqué ce Grand Prix des Pays-Bas et que le contact contre le mur a donné la victoire à Piastri. Deux événements importants qui nous amènent à voir Aymar remporter sa rivalité avec Max Verstappen et à monter à 75 de note générale, réalisant du même fait son objectif contractuel. Sa renommée ne fait qu'augmenter malgré une belle performance de Kevin Magnussen aujourd'hui. Et pour la 16e manche du championnat, nous sommes en sol italien pour le Grand Prix de Monza, domicile de la Scuderia Ferrari. L'équipe démarre à d'ailleurs remplacer des composants de son monoplace pour avoir les moins usés possibles ou mieux encore des neufs. Monza est un circuit rapide et lors des qualifications, le Québécois pouvait être plus rapide en obtenant la pole position. Mais les grandes déceptions furent l'élimination des Aston Martin et de Carlos Sainz en Q2. Magnussen prend la 11e place alors que Pierre Gasly est le seul pilote pénalisé pour 10 positions. En raison de changement de composants. Grande surprise, Albon réalise le 5e meilleur chrono avec sa Williams et des temps tellement proches l'un de l'autre entre la 4e et la 5e position. Malgré tout ce bouleversement, avant le début de la course, eh bien c'est le monégasque Charles Leclerc qui va monter sur la plus haute marche du podium à la suite de ce Grand Prix de Monza. Lors du départ, eh bien, Emma a été excellent demeurant en tête devant Charles Leclerc et Lando Norris. Quelques batailles ont lieu lors de la fameuse chicane suite à la ligne droite. Verstappen va d'ailleurs perdre une position et Albon va tenir le coup. Mais bon, pour combien de temps? Ceci dit, Emma devient la cible du DRS lors du prochain tour. En effet, Leclerc arrive avec sa vitesse de pointe fulgurante et le DRS et l'RS pour attaquer Aymar. La défensive du Québécois semble bonne, mais la trajectoire du Monégasque est meilleure. Leclerc passe devant et à l'arrière, Albon réussit à demeurer quatrième, créant un gap de plus d'une seconde entre lui et Lando Norris en troisième position. Aymar et lui vont devoir défendre encore face au DRS lors du deuxième tour. Belle défensive de la part des deux pilotes. Au troisième tour, eh bien, le jeu du DRS continue. Leclerc ne peut rien faire face à la vitesse de pointe de la Aston Martin 91 et perd la tête de la course. À l'arrière, Perez et sa Red Bull ne sont pas capables de dépasser la Williams Albon. Le Thaïlandais défend de belle façon et le gap entre la P3 et la P4 augmente encore plus. Au début du cinquième tour, c'est au tour de Lando Norris de profiter de l'aspiration et du DRS pour attaquer, pour être le leader du Grand Prix de Monza alors qu'il devance par 2 secondes Albon en 4e place. Tout un duel qui va se concrétiser par la perte d'une position pour Aymar seulement. Quant à Perez, eh bien, il éprouve vraiment des difficultés et cela favorise Albon. Charles Leclerc demeure peut-être en première place, mais ce qui est certain, c'est que Jean-Aymar peut très bien réaliser la même manœuvre que Lando Norris s'il en a l'occasion lors des prochains tours. D'ailleurs, au tour suivant, la puissante Mercedes de Russell attaque la Williams d'Alexander Albon, qui ne peut rien faire cette fois-ci, face à la trajectoire du pilote britannique qui prend la 4e place. Au 8e tour, Mercedes peut être très heureux des départs de ses pilotes qui occupent la 4e et 5e place respectivement. Quant à Albon et Perez, eh bien, c'est plutôt difficile. Verstappen dépasse les deux pilotes et est vraiment à la chasse aux Mercedes. Et puis au tour suivant, eh bien, Aymar profite d'une bonne accélération pour attaquer la McLaren numéro 4. Il va prendre l'intérieur ensuite lors de la seconde chicane de ce circuit et va même pousser son avancée pour dépasser Charles Leclerc au grand regret de la foule qui voit leur favori perdre une position. Dépassement spectaculaire, mais qui ne sera que de courte durée. En effet, Aymar va glisser légèrement vers la zone du DRS et cela ouvre la voie au Monégasque pour reprendre la tête de ce Grand Prix de Monza. Le Québécois demeure toutefois en 2e place devant le Britannique Lando Norris. Pour conclure ce 9e tour, eh bien, Yuki Tsunoda abandonne suite à un problème mécanique. Triste course pour le Japonais. Début du 10e tour et Max Verstappen est en feu, il profite du DRS sur les Mercedes pour les dépasser. À l'avant, Aymar lutte pour la première place et malgré une belle offensive, il gâche sa manœuvre en glissant lors de la sortie de virage. À l'arrière, le Néerlandais réussit le double dépassement pendant que Russell et Hamilton continuent de lutter. Le Québécois se retrouvera donc derrière Leclerc et Norris et tout est à refaire pour l'As.
Au 11e tour, maintenant, l'histoire se répète avec le DRS. Leclerc va protéger sa première place, alors que Verstappen ne peut rivaliser avec le DRS de Hamilton, qui prend la bonne trajectoire pour le dépasser. À l'arrière, Carlos Sainz fait lever la foule et dépasse Lance Stroll pour la 10e position. Bien fait par le pilote espagnol, qui est bien loin de la position de son coéquipier. Sainz ira alors d'un double dépassement, profitant d'un duel entre Perez et Piastri. Quelle action qui fait sourire la Scuderia Ferrari ici en Italie. Au 12e tour, 3 de front pour la tête du Grand Prix de Monza. Totalement fou, Aymar prend l'extérieur et réussit le double dépassement. Leclerc perd alors 2 positions et à l'arrière, son coéquipier Sainz est confortablement en 8e place, mais 3 secondes derrière Albon qui suit le DRS des Mercedes et de Max Verstappen. Des écarts commencent à se faire sentir et on peut constater Verstappen à 2 secondes du podium occupé par Aymar, Leclerc et Norris. À la fin du tour, c'est le temps de changer les pneumatiques. On va changer les médiums pour des gommes dures alors que les luttes de DRS se poursuivent à l'avant. Leclerc aussi s'arrête, mais le bon arrêt de Jean Neymar ne lui donne aucune chance de dépassement. Cela ne sera pas le cas pour Fernando Alonso qui subit des difficultés et qui perd énormément de temps. Fin du 13e tour, deuxième vague d'arrêt au puits menée par Lando Norris. Excellent arrêt chez McLaren, mais c'est plus difficile chez Red Bull alors que Verstappen est ralenti par le trafic. Cela donne la chance à nul autre que Albon de le dépasser dans les puits. George Russell mène la course, mais tout comme Perez, Piastri, Zhou et Sargeant, il devra s'arrêter tôt ou tard. Quant à Aymar, eh bien, il conserve la tête virtuelle du Grand Prix et Leclerc réussit à undercut Norris à la sortie de la ligne des puits. Rien n'est encore joué pour cette 16e manche du championnat 2024. D'ailleurs, la Ferrari démontre toute sa rapidité avec le DRS pour reprendre la tête virtuelle du Grand Prix. Charles Leclerc fait lever la foule ici en Italie, alors que Aymar devra attendre de nouveau le DRS pour le dépasser à son tour. À la fin du tour, eh bien, George Russell et les autres s'arrêtent finalement au puits. La stratégie n'aura pas été la bonne car aucun overcut ne sera réalisé. D'ailleurs, dès le début du 15e tour, Aymar profite du DRS et d'une belle attaque pour reprendre la tête de cette course, et ce malgré une défensive agressive de Leclerc. Quant à Norris, le Britannique est à plus de 4 secondes des pilotes de tête. Il devra donc défendre son podium. Tour 19, George Russell profite du DRS et de l'aspiration pour réaliser pas un, mais 2 dépassements. Le pilote Mercedes prend la meilleure trajectoire et se positionne 5e devant Albon et Verstappen. Belle manœuvre du Britannique ici à Monza. Au 20e tour, Hamilton venait tout juste de dépasser Norris avec le DRS que George Russell profite de la deuxième zone de DRS pour le double dépassement par l'extérieur. Très bien fait par le pilote de chez Mercedes qui se place 3e. Au 21e tour, Verstappen enfin démontre un peu de signe de vie avec le DRS et va tenter de dépasser Norris et Albon lors de la chicane devant. Il parvient à dépasser la McLaren qui vit un déclin monumental après une mauvaise stratégie d'arrêt au puits. Albon demeure devant, mais c'est très encourageant pour la Red Bull de voir son pilote numéro 1 remonter et potentiellement monter sur le podium. Au tour suivant, qui d'autre que le surprenant Alexander Albon pour venir mêler les cartes? Il cause un 3 de front en prenant l'intérieur et il y a des contacts avec les Mercedes. C'est très serré, il parvient à se positionner devant Lewis Hamilton, mais ce n'est pas terminé pour la Williams. En effet, le Thaïlandais y va d'une seconde attaque et cette fois-ci, la victime est George Russell. Toutefois, cette troisième position est très risquée car avec l'absence du DRS, cela peut te faire perdre gros comme Lando Norris a subi précédemment. Dès la prochaine zone de DRS, Russell reprend sa troisième place alors que ce groupe de véhicules est à plus de 10 secondes de Leclerc et Aymar. 23e tour, Aymar profite du DRS pour continuer à jouer à la roulette du DRS. Il va reprendre la tête du Grand Prix de Monza. Toutefois, à la sortie de la chicane, le pire se produit pour le Québécois. En effet, drapeau jaune, c'est un abandon pour Jean Aymar qui voit sa boîte de vitesse le lâcher pour une seconde course cette année. Il était en voie de remporter la course et en un instant, avec 5 tours à faire, il ne marquera pas de points aujourd'hui en Italie. Déception totale chez Haas et cela relance le champion des pilotes alors que son avance est drastiquement réduite. Bref, chez Ferrari, c'est une jouissance de remporter le Grand Prix d'Italie suite à une performance incroyable de Charles Leclerc. De plus, Carlos Sainz réussit une remontée jusqu'à la 3e place, devancé par seulement George Russell. C'est 40 points pour Ferrari versus 8 pour Red Bull avec la 6e place de Verstappen. Albon, oui, Alexander Albon qui termine 7e, il peut définitivement se réjouir de cette course. Cela fait en sorte que le classement pilote est de plus en plus serré pour la 1ère place avec Aymar en avance par 26 points sur Verstappen et 30 points sur Leclerc. Au constructeur, McLaren devance Ferrari par 40 points et Red Bull est 3e avec 5 points de retard sur la 2e position occupée par l'écurie rouge, la Scuderia Ferrari. Haas tombe en égalité avec Mercedes qui a marqué 28 points aujourd'hui. Aston Martin demeure quand même loin à 48 points derrière en 6e position. Quant à Aymar, eh bien, il progresse malgré ce triste abandon en Italie et sa renommée continue d'augmenter vis-à-vis Kevin Magnussen. Somme toute, cette 3e partie du récapitulatif de la saison est officiellement terminée. Soyez prêts pour la suite mettant en vedette la 1ère saison de Jean Neymar. Je vous invite aussi à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu et si tu as apprécié la vidéo, faire sonner la cloche pour ne rien manquer de mon contenu. Sur ce, je vous dis ciao ciao les cornets.